Let's pray the gods! Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 9 ou l'épisode numéro 10, je sais même plus. L'épisode numéro 10 de Pokémon XD. On commence directement par une capture, hein. C'est là où on s'était quitté, où on avait eu le bug. Et donc on a capturé le petit Mawile et voilà, tout simplement super les gars. Donc voilà, j'ai joué entre temps. Et j'ai capturé un certain Pokémon. Malheureusement, j'ai plus l'Evoli. Je crois que c'était que j'avais eu durant l'enregistrement. Je n'ai plus l'Evoli, mais j'ai autre chose. J'ai quelque chose que je voulais énormément. Donc voilà. Et là, il nous dit qu'on va aller à Phoenix City. À Phénacité, parce que c'est là que le groupe Ombre prévoit de faire une attaque, justement. En gros, pour l'instant, il y a deux nouveaux membres dans l'équipe que j'ai déjà rajouté dans l'équipe. J'aurais peut-être pu aller me soigner. J'aurais probablement dû aller me soigner. Allez, hop, c'est parti. Maintenant que j'y pense à Phoenix City, c'est mieux. Enfin, pour Phoenix City, c'est mieux. Et donc voilà, ce qui nous ramène à un total de 5 Pokémon. Je crois que c'est 5. 5 Pokémon présents dans l'équipe. Donc c'est-à-dire qu'on avait Mantachou, on avait Azuchou, on avait Junkchou, et puis on a les deux nouveaux qui viennent d'arriver dans l'équipe et que vous n'avez pas encore vu bien évidemment. Et qui sont en lead, donc à un moment vous les verrez bien et tout. Donc voilà. Prochain combat, vous voyez ce que c'est. Et en gros. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. En gros, j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, si maintenant j'attrape un Evoli, j'aurai 6 Pokémon. Mais il faut savoir que du coup, j'en aurai 6. Mais il faut aussi savoir que je vais honnêtement être honnête avec vous. Si jamais il y a un autre Pokémon qui arrive et qui est intéressant... Je le prendrai directement à la place de Junkchou ou l'Evoli. Voir. Non! Qu'est-ce que je viens faire ici, moi? Qu'est-ce que je viens faire ici? Qu'est-ce que je viens faire ici? Je ne dois pas toucher. Ah oui! D'ailleurs, ça j'avais oublié de le dire. Et ça, je peux le faire sans passer par mon équipe aussi. J'espère. Faut juste pas que j'appuie sur Z. Ok, parfait. Alors, j'ai attrapé un Snorlax. Right? Donc ça, c'est nice, j'ai attrapé un Snorlax. J'ai aussi attrapé un Dratini. Je sais pas si ça vous le saviez déjà ou pas. Le Mawile, c'est comme j'avais dit dans la vidéo. Il est joli, oui, vous allez me dire rigide, ça aurait été beaucoup mieux. Enfin, adamant. Mais il a huge power. C'est comme je le disais, j'ai pas vu intimidation. Et du coup, je me suis dit, il a huge power. Et en effet, il a huge power. Il est de type acier fait. Donc, c'est absolument génial. Donc, ouais, comme je le disais, si jamais vous voyez intimidation, ou bien sauvegarder avant et vous resetter, ou bien peu importe. Regardez maintenant, j'ai tous ces Pokémon-là qui peuvent être purifiés aussi. Avec le Starmie. Et ouais, le Ludicolo que j'ai un peu commencé. Je sais pas si Ludicolo, je l'ai fait hors live, enfin hors vidéo. Mais voilà. Ça, c'est toutes des choses que j'ai su faire. Et lui, il est chiant parce qu'il est toujours devant la porte. Enfin, toujours devant. Devant, c'est un grand mot, mais voilà. Bref. Et lui, il est toujours devant le shop. On va aller voir s'ils vendent des Pokésnacks legit. Oui? C'est moi où il a parlé de Pokésnacks. Ok. C'est bon, ils m'en mettent que j'en ai 8. Donc, si maintenant j'en achète un, j'en ai 9. Attendez deux secondes.
Parce que j'ai pas envie que ce soit fake, les gars. J'en ai acheté 15 seuls. S'il vous plaît, je reviendrai faire des emplettes la prochaine fois. Non, en fait, j'avais eu de la chance, j'étais tombé. En fait, parfois, vous pouvez tomber sur un goinfrex, en fait. Justement, cette chose-ci. Et le goinfrex, en fait, il y a la maître du goinfrex. Ouais, neuf, c'est bon. Il y a la maîtresse du goinfrex qui arrive et pour justement se pardonner que le goinfrex, il a mangé un ou deux Poké Snacks. Ben elle en donne 10 en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai pu avoir un mini Draco, un Ronflex et le Pokémon que je voulais, quoi. Mais bon, on va se rendre à Fenacité en français. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, Fenacité, c'est la première ville qu'on visite dans Pokémon Colosseum. Pour ceux que ça intéresse, bonjour mademoiselle. Welcome to Fennec. And hooray, congratulations. Incredible as it may seem, you're exactly the 1 millionth visitor to Fennec. Vous êtes le millionième, I don't know, visiteur de Fenacité. Pour fêter ça, acceptez ceci. C'est un disque avec lequel vous pouvez utiliser des Battle CD. Donc voilà, on a récupéré une boîte à disques. Le disque 1, le disque 7 et le disque 13. 20, excusez-moi. J'ai juste fait plus 6. Ok, you should go take that to the Real Game Tower next to the town. Go, go, go. Vous devriez aller les utiliser à la tour Titanite, juste à côté. Allez-y, allez-y. Ok, merci, c'est gentil. Je vais juste y aller. Ok, mais elle nous oblige un peu à sortir, en fait. Ok, je vais juste y aller, mais pour un truc, les gars. Aussi, le bug que j'avais eu à la fin... Ok. Le bug que j'avais eu à la fin, normalement, je devrais plus l'avoir, en fait. Parce que dans la configuration de Dolphin, donc l'émulateur, il y a un truc avec dual core. Double cœur. Et eh ben ça, il faut le désactiver en fait, et moi je l'avais désactivé. Ça rend les jeux plus lents, mais ici, comme mon PC est assez bon et que j'utilise pas OBS, qui est une merde complète, et qui prend énormément du CPU. TM05, Spray Sludge All Around, May Poison... Ça, c'est Sludge Wave. Blast the target with an icy beam that may freeze. Ice beam? Shoot boiling water... Scald! C'est Scald! A powerful fire attack that may inflict a burn. Flamethrower? No, I guess... Blizzard? Fire Blast? A steel hard headbutt may cause Iron Head? A strong electrical... I guess... Thunder? Draws from the power of nature and then launches. Nature Power? Ou machin là, Écosphère? Boost strength sharply but lowers abilities. What? What? Boost strength? I don't know. A strong quake. Oh! Earthquake! Jesus! Hurls garbage at the pole. Oh! Gunk shot. May cause a hit target to flinch. That's a lot of information, but I can see it now. Rock slide. Okay, rock slide. Okay, I can see it that way. That's sludge wave. Yeah. Ice beam. Okay. Scald. Yeah, I knew that. A flamethrower. Yeah. Iron head. Yeah. Thunderbolt. Energy ball. Oh, energy ball. Super. Oh, super power. Oh, yeah. Okay. Yes. Yeah. Okay. Earthquake. Gunk shot. Yeah. 33. Rock slide. Power doubles when user acrobatics.
Yeah. Poison is the target with it. Toxic. I guess, yeah, toxic. A flaming tackle that be flame charge. Yeah, flame charge. Wait. Stabs the foe with a poison jab. Yeah, poison jab. Okay. It creates a wall of light that lowers light screen. Yeah. A powerful physic attack that may lower special defense. Psychic. Yeah. Attacks with an aura of weak dark pulse? Yeah, dark pulse and then quit. Okay. Well, that's nice, but I'm leaving. Bye. C'était juste pour voir du coup. OK, mais c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Il y a juste que je me demande qu'est-ce que je pourrais apprendre quand tu vois. C'était j'ai juste dit c'était parce qu'il met des CT partout ce gars. Non. Items. It was 24, right? No, it was not 24. What was it? Hurricane! Hurricane! Hell, dude. Oh my god. Rain is busted. Bon, ça fait combien de temps qu'on enregistre déjà? Parce que je fais le pitre, je fais le con, mais bon, voilà. À un moment, faut rester sérieux quand même, hein? Ça fait déjà 12 minutes. Ok. Ça va, ça fait pas trop longtemps, vous avez même pas encore découvert le nouveau poké. Je sais pas qu'est-ce qui peut être TM34, ok. Ah oui, d'ailleurs, j'avais totalement oublié quoi. Spot Monitor, c'est où? C'est à l'Oasis, ok. Bah, c'était le seul endroit où en fait j'en ai laissé parce que justement je veux un Evoli en fait et j'avais oublié que. Voilà, voilà. Please, Eevee! Tangela? Non! Oui, vous l'avez vu, j'ai Gloom! J'ai Gloom, les gars! J'ai un machin! J'ai un Rafflesia, les gars! C'est pas génial? Je suis trop content! Giga Drain parce que je sais qu'il a pas beaucoup de... Parce que je sais qu'il a pas beaucoup de défense spéciale en fait. À moins que l'Ice One j'utilise pas Sludge Bomb. Seed Bomb. Je kiffe ce Pokémon. Après je me suis renseigné, je vais pas vous cacher, j'avais envie de jouer ce Pokémon aussi parce que justement il y avait des moves de la 7ème génération. Et le seul move de la 7ème génération que je voulais absolument dans ce jeu n'est pas présent encore dans ce jeu. C'est Strength Sap. C'est le move qui soigne par rapport à la stat d'attaque de l'ennemi. Donc si par exemple l'ennemi a... Peut-être que dans un jeu comme XD, oui, c'est pas top. Quoique. Je sais pas, mais genre si... Attendez, je vais directement aller chercher la définition sur... sur je sais pas, mon... Parce que je sais même pas ce que c'est en français, en fait. Vol Force. Alors, sur Poképédia, ils disent « est une capacité de statut de type plante, introduite dans la 7ème... » La statistique d'attaque de la cible baisse, puis restaure les PV de l'utilisateur de la même quantité que la statistique d'attaque effective de la cible avant l'utilisation de Volforce. Volforce ne prend pas en compte les talents comme Coloforce et l'effet des objets comme l'orbe vie, bande de choix, bande de muscles ou masse os. La statistique d'attaque de la cible est réduite même si l'utilisateur de Volforce a tous ses PV. Si la cible est déjà à moins 6 en attaque, Volforce échoue. Cependant, si la cible de la capacité a plus 6 en attaque, Volforce restaure toujours des PV. Volforce restaure toujours des PV même si la cible est protégée par la capacité brume ou par l'objet défense spéciale ou s'il n'y a pas de baisse d'attaque en raison des talents corsins, bla 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 bla. Bref, c'est trop nice.
C'est trop nice. Si l'ennemi il a 100 d'attaque, bah je récupère 100 de PV en fait. Et en plus je lui baisse son attaque. Et dans Ultra Soleil et Ultra Lune, Rafflesia l'a récupéré en fait. Et j'espérais l'utiliser parce que j'aime pas Synthèse. Synthèse ça a que 5 PP donc maximum 8. Alors que Volforce c'est maximum 16 et en plus ça baisse l'attaque. Donc c'est nice quoi. Mais malheureusement c'est pas dans le jeu. Malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas dans le jeu. Merde, j'ai pas capturé. Fuck. Je sais pas pourquoi je l'ai tué. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Fénacité, qu'est-ce que tu as à me cacher? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de louche ici, hein. Bonjour. Oh, vous êtes déjà de retour. Vous auriez dû aller jouer à la tour Titanite pour toujours. Ok, non, mademoiselle. Cet uniforme est vraiment trop serré. Il y a juste ça qui m'allait. Donc, non, c'est rien, j'étais juste en train de réfléchir tout haut. Mais donc voilà, j'ai Gloom, je suis trop content. Franchement, je suis déçu parce que j'ai pas ma réaction de quand je l'ai vu, mais j'étais trop content quand je l'ai vu, quoi. Music disc. Oh, that. It's pop. C'est populaire parmi les jeunes. Ok. Bah, super. Super, super. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette ville, quoi. Donc voilà. Ici, vous parlez un peu à tout le monde. Mais. TM39. Il n'y avait pas aussi une TM qu'on n'avait pas encore check? Solar Beam et what? Mais ils veulent vraiment que je donne Waterfall à machin quoi! Ils veulent vraiment que je donne Waterfall à Azushu! C'est horrible! C'est horrible! Horrible! Allez, c'est parti! J'ai succombé! Pas su résister. Bon, allons chez le maire. Allons rendre une petite visite chez le maire. Pourquoi pas? Bonjour, mademoiselle. Le maire est parti. Oh, c'est tellement chiant. Yes. Oh, génial. Peut-être que ça rendra les choses moins chiantes. Et donc, je lui donne la musique. Oh, c'est Shake It Off. Shake It Off. J'adore Taylor Swift. Est-ce qu'ils ont vraiment mis la musique de Taylor Swift? Non. Dommage. Normalement, elle vous bloque pour monter. Et là, justement, comme elle est occupée, on peut monter. Et du coup, on va pouvoir trouver les notes du maire. This appears to be a letter from the mayor to Justy. Donc, c'est une lettre du maire à Justin. Justin. Il y a des mauvaises choses qui se présagent. De tous les endroits possibles, c'est notre fénacité adorée qui est la cible du groupe Ombre. Le groupe Ombre a déjà pris place dans notre ville à la place de membres très importants de la communauté. Si rien n'est fait, le groupe Ombre prendra le contrôle total de cette ville. Je me tourne vers toi pour ton aide. On a besoin de toi pour te défaire de cette crise. La lettre s'est arrêtée après. Oh, bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Tu n'es pas en train de réfléchir à aller donner cette lettre à Justin, quand même. Oh, sale garçon.
Je vais t'apprendre une petite leçon. Ok. Ok, Julie. Ah. Golbat. Boy! Boy! Clown! Et Sneasel! Oh! Oh, je me souviens même pas ce qu'il y avait Grand Bull et. Oh. Déjà dans Colosseum, les gars! Mais bon, il a intimidation! Je l'ai vu une fois utiliser. Dans le précédent combat, il utilisait une autre capacité. J'avais l'impression qu'il augmentait son attaque dès que le partenaire mourait, en fait. En double combat. Donc c'était nice. Mais. Ouais. Ouais. Ah non, il utilise Fake Out! Ah non! Non! Mais moi, je joue aussi, j'avais utilisé Fake Out, donc au final, ça sert à rien. Voilà, pas grave. Oh, baisse pas mon attaque! Baisse pas mon attaque! Merci. Génial. Génial, génial. Let's go. Bite. Oh non, il est flinch. Et il pourra être purifié. Ok, super. J'ai pas non plus utilisé énormément en combat. Donc, Mighty Yena. Hello, Mighty Yena. Ah oui, non, non. Sneasel. Hyper... Oh, Hyper Voice. Oh. Il n'y a pas genre une spatac de merde. Un peu comme Gloom. Je crois qu'il va... Et ça a rien fait. Hyper Voice. Hyper Voice. Mais enfin, ça m'étonne que même un... Que même un Mighty Yena est plus rapide en fait que machin. Que Sneasel. Est-ce qu'il serait moins vitesse? Ce serait embêtant, ça. Et donc oui, pour ceux qui se posent la question, oui, je garde pour l'instant, je garde encore machin. Je garde Junkshou, oui. Pour l'instant, je garde encore Junkshou. Oui, j'ai deux Pokémon plantes. Oui. Oui. Ça te pose un problème, peut-être? C'est ça? Ça te pose un problème? Non? Ah bah alors ça va. On va juste Giga Drain pour ce qui reste. Et puis on va Ice Punch. De toute façon on est plus lent. Mais sinon on tue pas. Du moment qu'il nous flinche pas, moi ça me va. Hein? Mais Azuchu est plus rapide que le Mighty Yena. What the hell? Hein, vous allez me dire Azuchu est plus vitesse, mais bon, quand même, quoi. C'est une honte! Une honte! Ah, mais merde, j'ai renforcé son façade avec le poison. Ah, merde. Ah non, je le savais. Mais je le savais.
Arbok. Putain, c'est quoi toutes ces intimidations là? C'est horrible. Même pas ça a tué. That did nothing. That did a lot. But I'm only to level 24 and you're dead. You are dead. Ah oui, d'ailleurs. Chose qui serait gé... Ah, c'est que quoi? Bellidrum? Non, pas dans XD. Chose que vous savez probablement pas. Ah, il a régénérateur. C'est génial. C'est génial, il a régène. Il a régène. C'est quoi ça de nouveau en français? Je sais plus. Mais c'est quelque chose de bashful. Bashful, non, c'est neutre. Darkhal. Il a 79 de vitesse. Et là, lui, il a 48. Mais what the fuck? Et c'était pas Aquajet que j'avais utilisé quand même, hein? C'était Ice Punch. What the fuck? Je comprends pas. Il nous avait quand même pas baissé la vitesse quand même, non? Le grand bug, il avait juste baissé l'attaque, quoi. Enfin bref, Mantachou vient et puis voilà quoi. Donc bon, on va sortir et en fait, il y a un autre dresseur qui nous attend et qui voilà. En fait, la ville va être remplie de dresseurs en fait comme ça, qui se sont déguisés comme des habitants de la ville, mais qui au final n'en sont pas en fait. Donc voilà. Magmar ou Cornèbre? Normalement Magmar, vu que Cornèbre on a déjà eu. Ok, Magmar était déjà présent dans XD. Mais je me dis que... Enfin, je dis souvent ça, mais au final, enfin... Je me dis qu'ils ont bien rendu à quasiment tous les Pokémon disponibles, qui ne l'étaient pas, donc il faut bien qu'ils en mettent des qui étaient déjà présents à un moment ou un autre, quoi, tu vois. Dazzling Gleam et Dragon Breath. Ça me semble être une bonne idée. Même si c'est pas très efficace, je suis d'accord. Mais au moins, c'est efficace contre Murkrow. Et ça fait un peu de dégâts sur le Magmar, quoi. Et il vaut mieux faire un peu de dégâts que... What? Il est plus rapide que Junko? Enfin, Junko? Ok, je suis moins vitesse, mais bon, quand même, quoi. Si je pouvais avoir la paralysie directement, ce serait bien. Comme ça, ça c'est fait. Oh, waouh, c'est parfait. Du moment que je me chope pas un crit, c'est bon. Shadow Blaze. Ouh, je le sens mal. Je le sens mal. Le Junkshu là, il s'est fait obliterated. C'est pas comme ça qu'il fait son bruit, non? Au revoir. J'ai froid les gars, je vous jure. Il fait froid.
froid en ce moment, c'est horrible. Shadow Blaze. Au revoir, Mentali. Même pas, ça a rien foutu. Ah bah oui, mais Mentali a l'aura filter. Mais bon, quand même, ça a rien foutu, quoi. Même sans l'aura filter, ça m'aurait genre... Non, maman, ok. Freeze! Freeze! Mil Tank the Mascot! Item! Pokeball! En Magmar! Emishu threw a snag ball! Why threw? Why past tense? Why in the past tense? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ooh, Miltank the mascot almost dropped. Body slam. Oh my god. Rip. Rip. Fantachou. Nope. Stunned. Nope. Oh my god. C'est un miracle. Pas de paralysie. C'est incroyable. Aqua Jet, vu qu'on en a beaucoup de pépé. Et que voilà. Mais donc voilà, c'est tout. Enfin, c'est pas tout pour cet épisode, ni pour tout ça. Mais genre... Ah ben regardez, nos très chers amis. Ah mais non, c'est pas nos très chers amis. We are all Justin. Nous sommes tous Justin. Nous sommes. Les gens nous admirent. Nous sommes le gang des Justin. Comptage. 1... 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est ça, parfait. Donc on sait tout ce qui c'est. Hein. Et donc ils vont se disperser partout dans la ville. Et on va devoir les rectes, quoi. En gros. Je vais juste un peu chercher des objets dans la ville. Et une fois que j'aurai fait ça, j'irai au labo pour faire quelques purifications. Et après on terminera l'épisode là. Ok? Ok? Pardon, désolé. Sorry. Komenna sai. Ultra Ball, waouh! Je kiffe ce jeu! Et lui, il est normal. Lui, c'est le seul type qui est normal, en fait. Le petit vieux. Ah, je kiffe ce jeu. Purificateur, here I come. And we are gonna edit this piece of shit. Ah merde, Sneasel, on peut toujours pas. Pardon, pardonnez-moi. Vas-y. Non. Oui. C'est comme ça que je m'étais loupé la dernière fois, là. Jesus fucking Christ. Se tromper d'un bouton et c'est fatal, quoi.
Mais pourquoi j'ai pas pensé à mettre ces choses ici là? La 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 la. Non, le Dratini, on va le laisser. Oh, Leftovers! Bon, on le prend dans l'équipe. Vas-y, viens, mode keep. La 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 la. Ah, bah t'es super efficace contre Dar. Je sais pas qu'est-ce que ça change, hein, honnêtement. Je vais pas vous cacher que, franchement... Bah voilà, quoi. Et puis le dernier. C'est parfait. Flame Plate. Oh, c'est bon ça. Nope. Yeah boy. Yeah boy. Yeah boy. Allez, c'est parti. C'est parti pour la purification train. Tchou-tchou. Bienvenue à bord du train de la purification. Premier arrêt chez Feu Forêt. Pain Split, ok. Je sais pas ce que c'est en français. Hypnose. Ah, ça, je sais ce que c'est en français. Hypnose, je sais ce que c'est. Hypnosis. Swagger. C'est le truc qui augmente l'attaque mais qui paralyse. Qui confus. C'est le truc chiant là. Je sais plus. Yeah. Thank you. Prochain arrêt, Magnéti. Hello? Fault switch? Discharge? Hidden power? Oh my god. Confusery. That's trash. Donc, puissance cachée putain, c'est quoi le nom en français? Le truc qui a 100 de précision et qui peut confuser. Prochain arrêt? Truc chiant de l'OU Gen 6. Enfin, son évolution en tout cas. Mélofée. Tchou-tchou. Fairy Wind. Ok. Vent féerique. Soin! Ah ouais, ok, directement, soin. Pouvoir cosmique. Traduction littérale. Trick Room. En français, c'est quoi Trick Room? Je sais pas ce que c'est Trick Room. C'est le truc qui inverse l'ordre. Enfin, pas qui inverse l'ordre, mais genre qui fait en sorte que le plus lent. Le Pokémon le plus lent attaque en premier et le Pokémon le plus rapide attaque en dernier. Would you like to give a nickname to Clefairy? Nope. Prochain arrêt. Starmie. Staros et... La Staros et... Starmie. Tchou-tchou!
Il y avait soin et le premier move, j'ai pas vu. Prochain arrêt, Cornèbre. Dark Pulse, donc Vibre Obscur. Et Aéropiqué. Ah, et il y a encore autre chose? Mean Look. Le truc qui t'empêche de fuir. Le truc que tu utilisais contre Latios et Latias en 3ème génération. Ou bien tu utilisais un Culbutoke, mais... Non! Je suis sorti, non! Oh, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'utilise pas du tout le bouton de speed up. De quoi vous parlez? Je vois pas de quoi vous parlez. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'entends juste un petit train qui passe. Allez, putain! Machin! Sneasel! Bouge, j'ai quasiment plus de place sur mon disque dur! Mec! S'il te plaît, allez, j'y vais! Non? Allez. Etat, je me disais, je vais lui faire peur, il va être purifiable. Bouge! Mais non, c'est pas ça que je voulais! C'est pas cette notif-là que je voulais. Allez, Sneasel! Mec, je suis en train de perdre des Pokésnacks là! Même si maintenant je peux les acheter, mais voilà! Sneasel! Ouais, bon, fuck! Ah non, mais là il m'énerve là! Prochain arrêt: Beedrill. Dardarnian! Prochain arrêt, Dardarnian. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il récupère le petit U-turn, ok, donc demi-tour. Et dans Slam. Ah, il monte au niveau 21. Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il méga évolue? Définitivement. Non, merci. Yay. Yay. Prochain arrêt, Meditika. Chou-chou! Oh là là. Open the door to its hurt. Bluff. Et point sensu. Point vie. Vol vie. Non. Vol vie. Imagine. Ah non, je sais vraiment plus que c'est Drain Punch en français. Enfin bref. Balignon. Terminus Balignon. Ton broche. Sport, c'est le... C'est l'attaque plante qui a 100% de précision. Ok.
Voilà. Et Sneasel, t'es méchant, donc t'es pas purifiable. T'es pas purifié. Na. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il est mort, en fait. C'est peut-être parce qu'il est mort qu'il peut pas... Que... Ok, ouais. Il est mort, en fait. Et c'est pour ça. C'est pour ça, les gars. C'est pour ça, j'ai fait le pitre avec le mode le speed boost, mais en fait, ça servait à rien. Il était... C'est pas drôle. Ah non, pas lui. Pas un insécateur. Normalement ça le tue ça, non? Normalement ça le tue ça, je crois. Même pas. Même pas la moitié. Mon Dali, il est trop cute. Get in there, bitch. Non. Ah bah parfait. Les gars, justement, je l'attrape quand j'ai plus de place sur mon disque dur. Ah, Jesus. Ah. Dégueulasse. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine. Au revoir, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour un autre épisode de Pokémon XG. Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.